passé là ce soir? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je suis très content parce que ce soir, ça a été une réunion où il y avait toutes les ethnies. Il y avait des Kanaks, il y avait des Wallisiens, des Futuniens, des Indonésiens, des Calédoniens d'origine européenne. Donc, super. Super, ça a été un peu à l'image de ma journée aujourd'hui à Dimbéa. Parce que j'ai fait les quartiers un peu là, Dimbéa sur mer, les squats aussi. Oh, tu vois la détresse, hein. Tu vois la misère sociale. La misère sociale. En fait, tu te dis que les trois référendums en 4 ans, la crise Covid, plus en ce moment là l'augmentation des importations avec la guerre en Ukraine, en fait, les gens, ils sont à terre, quoi. Les gens, ils sont à terre. Alors, j'en avais conscience, hein, parce qu'on le voit. Moi, maire de la foi, je vois la demande d'emploi, etc. Mais là, si tu veux, tu sens que c'est grave. Tu sens que les fins de mois, là, ça commence le 15. Hein. C'est-à-dire que le 15, les gens, ils n'ont plus rien. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Ce qui m'inquiète, c'est que nous, la Calédonie, on n'a plus les moyens d'aider les gens. La Nouvelle-Calédonie n'a plus les moyens d'aider les gens. On est au bout d'un système. Hein. On n'a plus un rond. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de prendre aucune mesure sociale pour les gens. Donc je pense que le rôle du député, il ne va pas que s'arrêter à l'avenir institutionnel. Quoi. Ça, c'est... Alors ça va être le gros du morceau. C'est quand même lié. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre un référendum dans 5 ans, sinon on les tue définitivement. Mais il y aura un aspect fondamental dans le rôle du député qui sera de faire jouer la solidarité nationale. Comme on l'a fait jouer sur la crise Covid, comme on l'a fait jouer sur les crises climatiques. Ben là, la crise sociale, il faut aller chercher les sous en France. Hein. Pour faire baisser le prix de l'électricité, pour faire baisser le prix de l'essence et du gasoil, pour faire baisser le coût des importations. Parce que là, ça coûte des milliards. Quoi. Et il n'y a que la France qui peut nous aider. Nous, on n'a plus un rond. Ben là, le député, clairement, il faut qu'il soit dans la majorité. Et je ne dis pas parce que je suis candidat de la majorité. Mais si tu es dans l'opposition à ce moment-là donné de l'histoire, je ne sais pas à quoi tu sers. Si tu es avec Pécresse, si tu es avec Mélenchon, si tu es avec Le Pen, comment tu fais pour défendre les crédits aux Calédoniens, quoi? Tu as accès à rien. À peine à la cafette de l'Assemblée, quoi. Mais les ministères, Matignon, Oudinot, l'Elysée, n'en parlons pas. Si tu es dans l'opposition, tu n'as pas accès à tous ceux qui décident. À Bercy, ministère des Finances, tu fais comment? Qui c'est qui te reçoit? C'est la Macronie qui tient le truc. Si tu n'es pas dans le système, tu fais comment pour avoir les crédits? Impossible. Impossible. Et puis en plus, nous les Calédoniens, à Paris, on est moins bien organisés depuis toujours que les Antillais. Tu vas dans les ministères... Moi, j'étais choqué. Le ministère des Outre-mer, ça appartient aux Antillais. C'est les mecs, ils sont tout le temps là-bas, ils ont un vrai lobbying, ils ont un vrai réseau. Il y a toujours un mec qui est là-bas pour choper des crédits. Enfin, les mecs, ils votent Mélenchon ou Le Pen, ils ont obtenu la route du littoral à La Réunion, quoi. Donc nous, les Calédoniens, il faut qu'on soit présents. Qu'on soit là, qu'on soit là aux trousses des mecs et qu'on dise, mais chez nous, on est en train de mourir, quoi. Nos trois référendums nous ont tués, quoi. Et puis, je suis content ce soir parce que, tu vois, il y a un autre message que je voulais passer. C'est... on dit que j'ai un discours dur. C'est vrai? J'assume ma fermeté. Parce que je pense que les indépendantistes nous amènent dans le mur. Et ils nous ont déjà amenés dans le mur. Hein. Mais ils veulent continuer, quoi. Mais en Calédonie, on a tellement communautarisé les partis politiques que tu as l'impression que quand tu es contre les indépendantistes, tu es contre les Kanaks. Alors maintenant, il y a une nouveauté, il y a l'éveil océanien. Si tu es contre l'éveil océanien, tu es contre les Wallisiens et les Futuniens. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les idées. Moi, demain, si tous les indépendantistes étaient blonds aux yeux bleus comme moi et que les Kanaks étaient tous loyalistes, je serais avec les Kanaks. Tu vois? C'est pas un sujet d'ethnie, en fait. Moi, je suis calédonien. Je suis né à Pouya, grandi avec tout le monde. Pour moi, les Calédoniens sont de toutes les couleurs. Et chacun est mon égal. C'est peut-être pour ça que j'arrive à être dur aussi. C'est parce que je considère l'autre comme moi. Je considère l'autre comme ma famille.
comme un frère. Donc quand on est en famille, on peut se dire les choses. C'est pour ça qu'il dit les choses. Donc là, il y a un truc que je vais te raconter. Quand j'ai créé Génération NC, j'ai consulté un peu les différents hommes politiques et femmes politiques du pays pour... tu sais, quand tu montes un parti, tu es deux jeunes avec Nina, tu as un peu une pression quand même, tu sais pas trop où tu vas. Je rappelle que j'avais 30 ans, enfin 29 ans, je crois. Donc bon, c'est chaud. Donc tu écoutes. Et tu vois, il y a un truc qui m'a marqué, c'est il y en a un qui m'a dit, je dirais pas son nom, mais il m'a dit, tu sais, tu devrais faire de Génération NC un parti de caldoche. Parce que toi, tu es un caldoche. Puis dans notre pays, ben, on vote pour les mecs qui nous ressemblent, quoi. Mais je dis, mais t'es malade. Bien sûr que je suis un caldoche. Mais il y a des caldoches de droite, il y a des caldoches de gauche, il y a des caldoches indépendantistes, il y a des caldoches loyalistes. Enfin, tu votes pas parce que t'es caldoche. Enfin, c'est quoi cette histoire? Et tu vois, notre pays, il est en train de tomber là-dedans. Dans cette espèce de communautarisme politique. C'est dangereux. Parce qu'après, tu fais des amalgames. Du coup, quand moi, je suis ferme avec les indépendantistes, on a l'impression que je suis anti-Kanak. Quand on est ferme avec les veilles au Sénat, on a l'impression qu'on est anti-Wallisien, vous donnez. Mais si j'avais fait Génération NC, que pour les caldoches, et si j'avais dit des bêtises, on aurait dit, vous avez vu ce qu'ils racontent les caldoches? Mais moi, je n'ai pas la prétention de parler au nom des caldoches. Donc c'est ça que j'ai expliqué aussi ce soir aux gens qui sont là. J'ai dit, vous voyez, il y avait des Kanaks dans la salle, des Wallisiens, des Foutoniens. J'ai dit, vous savez, moi, je vais être très dur avec les indépendantistes pendant cette campagne. Et si je suis député à la table des discussions, je vais être dur avec eux. Parce que je suis fondamentalement opposé à l'indépendance. Et moi, c'est mon combat en tant que député aussi. C'est-à-dire que je te promets que moi, je ne sors pas de la table des discussions avec d'un côté les Kanaks et de l'autre les non-Kanaks. Et avec un plus haut que l'autre. Avec un favorisé par rapport à l'autre. Non, tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Ça, je dis toujours tout le monde pareil parce que c'est une expression qu'on entend souvent en brousse. Les mecs, ils disent, pour imager le vivre ensemble, les mecs, ils disent comme ça, hey, mais tu sais quoi, c'est tout le monde pareil. Hein. Si moi, je paye des impôts, lui, il paye des impôts. Si j'en paye pas, il n'en paye pas. Si moi, mon fils, il a le droit d'aller à tel type de formation, ben, lui, son fils, il va à tel type de formation. Si lui, on l'inscrit automatiquement, ben, lui, on l'inscrit automatiquement. Tout le monde pareil. Parce qu'à partir du moment où on traite les gens différemment en fonction de leur ethnie, on crée la rancune, la rancœur, la haine, et donc la guerre. On a l'exemple des événements. Les événements sont venus à cause de ça. On traitait les gens différemment. Donc il ne faut pas retomber dans ce piège-là de l'autre côté, c'est tout. Les indépendantistes, ils vont à la table des discussions, tu sais, ils disent pas on veut le consensus et le dialogue. Ils disent si on va dialoguer, mais pour Kanaki, pleine et entière, gel du corps électoral, référendum dans 3 ans. Et si toi tu dis déjà on va construire un consensus, ben, tu es déjà sur leur terrain. Tu joues dans leur camp, alors qu'on a gagné 3 fois. Donc faut jouer dans notre camp, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut être ferme. Ferme, respectueux, mais déterminé.